Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Le magasin est encore ouvert, on devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde ! Une androïde sans abri ? Ça, c'est la meilleure. Écoute. T'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Un hôtel. On a trouvé un endroit où dormir. Non, mais non, mais pas la boîte. De pièce, de tomber sur une île. Je ne crois pas. Hein? On doit trouver 40 dollars. Je ne ramasse pas la boîte de pièce. Et se débarrasser de cet uniforme. Quoi? Vous cherchez un. Non, mais c'est pas la boîte de pièces que t'as fait tomber, c'est Brandy. Si, ça peut attendre. Oui. Mon père, il a dit, t'as changé le truc, que depuis, il n'y a plus rien. Quel truc? La télé. J'ai rien changé. Oui, mais j'ai rien changé. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. J'ai rien fait!
tu fais? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On peut pas faire ça. Tu as raison. On n'y touche pas, d'accord? Il n'y a rien d'autre par là. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici.